Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour faire le petit mignon de Lucie. On va les réaliser aujourd'hui. Comme matériel, on aura besoin de petites boucles, 2 mm, une paire de ciseaux et du fil. On va commencer par attacher le fil sur la boucle. Très simple à faire, comme ceci. Ensuite, on prend notre crochet. On fait une maille. Ensuite, on va travailler avec des mailles serrées. Comme ceci. J'espère que ça se voit bien maintenant. Bon, on va faire les mailles ici tout au long de la boucle pour la recouvrir. Ensuite, on va continuer avec d'autres mailles. On veille à ce que le bout là soit toujours à l'intérieur. Et l'excès, on va le couper à la fin. Sur mon bout, on va faire la deuxième ligne ici, c'est ça. On fait trois mailles en l'air, 1, 2 et 3. On tourne, on fait un jeté pour faire la bride dans la maille qui suit. On va faire en tout deux brides, une deuxième, et avec les trois mailles précédemment on a fait là, ça nous fait trois mailles. Et maintenant on va faire trois mailles en l'air, la première, la deuxième et la troisième. Maintenant on compte 1, 2, 3 mailles. Dans la troisième on fait une bride. On fait une première bride, une deuxième, et une troisième. Trois mailles en l'air, 1, 2 et 3. On compte 1, 2, 3. Dans la troisième maille, on fait notre bride et ainsi de suite jusqu'à l'autre bout de notre boucle. Nous sommes au terme de notre boucle. Bon, il y en a aussi. Maintenant, on va faire les pétales qui sont en haut là. On fait une maille en l'air. On tourne. Et on fait une maille. On va faire les mailles coulées. Pour arriver à l'espace là, on avance avec des mailles coulées. Maintenant on va faire trois mailles en l'air. Ensuite on va faire les brides dans l'espace. Une première, une deuxième, une troisième,
Ça nous fait en tout 4. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 2, 3. On revient dans le bout, on va faire les picot stitch. Les points de picot. Ensuite, on continue avec nos brides dans l'espace. Comme on a fait nos 4 premières brides, on va faire 4 brides dans le même espace. Ok, on a fini avec le premier pétale. Maintenant, on va faire une maille coulée pour sécuriser le premier pétale. Une maille serrée pour avancer. Maintenant, on fait les brides dans l'espace. On va faire 4. 1, 2, 3 et 4. Maintenant 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Le point de picot. Ensuite on fait 4 brides dans le même espace et on répète ce qu'on a fait précédemment au début. On continue avec nos brides. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Le point de picot. Et on fait nos 4 brides. La première. La deuxième. La troisième. Et la quatrième. On fait une maille coulée pour sécuriser. Ensuite, on fait une maille serrée pour avancer. Nous voici rendus à notre dernier pétale. On refait la même chose que précédemment. Une maille coulée et une maille en l'air pour attacher le fil. Voilà notre jolie petite boucle au crochet terminée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un pouce en l'air, à vous abonner, à partager et à me laisser vos impressions en commentaire. J'espère vous retrouver dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!